exceptionnelle pour la 7e grande conférence libérale. En effet, le docteur Bruno Coleman a accepté l'invitation lancée par les jeunes émères, celui que tous les médias choisissent comme expert lorsqu'un éclairage sur la crise économique est nécessaire, est donc venu partager avec nous ses connaissances et ses craintes sur un monde financier qui joue au yo-yo. Comprendre et anticiper la crise financière, un thème bien d'actualité. D'ailleurs, monsieur Coleman, si vous aviez eu carte blanche, quelle aurait été votre touche personnelle pour conclure un budget en Belgique? Moi, je dirais qu'il faut absolument une baisse des dépenses parce qu'on est en train de cristalliser un système qui est un système déséquilibré, de dépenses de l'État trop importantes. Et donc, en essayant, comme dans le passé, de prolonger les tendances, c'est-à-dire de faire un peu d'impôts, un peu de dépenses, on pose mal le curseur. Et l'autre chose que je ferais, c'est d'aborder rapidement le chantier des pensions parce que bizarrement, on n'en parle pas assez. Dernière chose que je ferais, c'est m'interroger sur ce qu'on offre aux jeunes parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'avantages acquis, mais on ne parle pas beaucoup de déploiement de l'éducation pour les jeunes. Une soirée riche en apprentissage qui a recueilli un franc succès auprès du public, car ce qui a le plus plu lors de cette conférence, c'est surtout l'analyse sans langue de bois de notre orateur. Ça, c'était vraiment le gros avantage de cette soirée, c'est qu'on a vraiment appris des choses, parce qu'on n'était pas dans les discours convenus politiques, on était vraiment dans de l'étude, de fond, et on a pu vraiment avoir une analyse précise de la situation. J'ai trouvé ça par moments assez technique quand même, mais globalement, c'est quand même très, très intéressant. Quoi. C'est une conférence très intéressante, et c'était une bonne idée de la créer. J'aurais dû y penser un peu plus tôt pour ma section, mais je dis quand même bravo pour les jeunes émères nationales. C'est la première fois que je viens à une activité des jeunes émères et si toutes les conférences sont du même acabit, je pense que je reviendrai plus souvent. Autrement dit, un franc succès pour cette 7e édition des grandes conférences libérales. Le mot de la fin, nous le laissons à notre président Gauthier Calomne. Rendez-vous très bientôt. Une conférence tout à fait intéressante, un orateur brillant, percutant, à certains moments même impertinent, drôle, un public enthousiaste, composé majoritairement de jeunes venus pour poser leurs questions, avoir des réponses et un discours de Bruno Coleman, vraiment un discours vérité, authentique, qui sortait un peu du politiquement correct. Donc vraiment une soirée enrichissante à tous les points de vue, beaucoup de monde et donc vraiment une expérience à rééditer au plus vite.